Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. Ce matin, c'est une séance spéciale, une émission très spéciale pour vous, les Kamites. Parce que comme vous pouvez le constater, que le monde a complètement changé. Après cette pandémie, le monde n'est plus ce qu'il a été auparavant. Et pour cela, le Seigneur nous donne cette opportunité en cette heure de nous réunir autour des Écritures sacrées pour traiter effectivement les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Alors, nous allons traiter sur la question qui agite les États-Unis et cette vague de protestation qui se répand un peu partout dans le monde entier. Et donc, nous étant les croyants du message du temps de la fin, étant des scribes placés ou des sentinelles placées sur la tour, des gens qui, examinant les paroles de la prophétie, l'esprit n'a pas voulu être calme. Et le Seigneur nous a inspiré de dire quelque chose là-dessus. Et je crois que cela va bénir les enfants de Dieu. Cela va certainement éclairer les gens qui sont attentifs à l'évolution de la prophétie. Et donc, nous allons traiter sur ce phénomène, s'il faut le dire, qui envahit les États-Unis suite à la mort de ce Kamite George Floyd et la protestation qui monte aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un fait qui a attiré mon attention, c'est que lors de la manifestation devant l'esplanade de la Maison Blanche et vers le soir, alors qu'on essayait de disperser les manifestants, et ils ont commencé à agiter ça et là, et du coup, il y a eu comme une extinction, c'est-à-dire il y a eu coupure d'électricité de la Maison Blanche. Or, vous savez que les pharisiens, eux, ils savaient tout. Ils connaissaient lire les Écritures, ils connaissaient les interpréter, ils connaissaient tout ce qui était en rapport avec la loi de Moïse. Mais il y a une chose que le Seigneur les a reprochée, c'est qu'ils étaient dépourvus de la capacité de discerner les signes scripturaires du temps. Raison pour laquelle cette émission de ce matin aura pour socle l'examen de ce phénomène, de ce qui s'est produit. En fait, c'est même une catastrophe. C'est pas possible, c'est incroyable. Est-ce que c'est un fait au hasard que la Maison Blanche, la maison la plus sécurisée du monde, la maison qui représente le symbole de la civilisation actuelle puisse être plongée dans les ténèbres? Est-ce que ceci est un fait hasard ou bien c'est un symbolisme prophétique? Et dans les heures, les minutes qui vont s'en suivre, nous allons pénétrer profondément pour examiner ce que c'est par rapport à la lumière des Saintes Écritures, par rapport à la prophétie. Voilà pourquoi je vous invite à prendre votre Bible, nous allons faire la lecture parce que nous ne pouvons pas parler de Dieu si nous ne sommes pas capables de lire la parole du Seigneur. Parce que toute écriture est inspirée, comme l'a dit Saint Paul. Alors, je prends dans Matthieu chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 3. J'aime les Saintes Écritures. La Bible est précise ici, elle dit: les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Voilà ces gens-là, quand ils ont des problèmes pour attaquer le Seigneur, ils s'unissent toujours, alors qu'entre eux, ils ne sont jamais d'un commun accord. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps, des temps. Non, les pharisiens, ils connaissaient tout. Ils pouvaient placer le calendrier. Ils pouvaient prédire le temps qu'il fera. Mais ils étaient dépourvus de cette capacité de discerner les signes des temps.
Or, pour discerner les signes des temps, il faut au préalable être revêtu de l'esprit de la prophétie. Raison pour laquelle tu ne peux pas prêcher ce message avec précision si tu n'es pas oint de l'esprit de la prophétie. Parce que l'Écriture déclare dans le livre de l'Apocalypse, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Et enfin, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 7, j'aime cette écriture. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors, je te recommande de faire la lecture quand tu seras chez toi seul, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Parce que Paul est en train de décrire ici l'endurcissement d'Israël pendant la période de la sortie de l'Égypte. Et il montre qu'ils sont sortis, ils ont été baptisés en Moïse sous la nuée et aussi dans la mer Rouge. Ils ont eu part à une nourriture spirituelle qui était la manne qui tombait du ciel. Ils ont bu à un breuvage spirituel qui était Christ lui-même, l'eau qui sortait du rocher. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Alors il nous dit, après il descend, il dit, ne devenons point idolâtres comme eux. Les mêmes qui ont bu l'eau du rocher, les mêmes qui ont mangé la manne, les mêmes qui ont mangé les cailles. Et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Mais remarquez ici, qu'est-ce qui les amène à tomber dans l'idolâtrie? C'est le manger et le boire. Donc après avoir mangé et bu, ils sont allés dans le divertissement. Et le peuple. Puis ils se levèrent pour se divertir. Donc en conclusion, ici la répétition alimentaire, cette redondance-là, cette habitude alimentaire conduit toujours au divertissement. C'est-à-dire quand on est habitué à manger la même chose, aujourd'hui c'est la même chose, comme les prédicateurs d'aujourd'hui, ils disent la même chose, la parole fait chair, la seconde venue, Malachie 4, on revient, tout ça. La finalité, l'âme sera fatiguée. Et c'est ça le problème d'Israël dans le désert. Après avoir mangé, après avoir bu l'eau du rocher, ils sont sortis, se lèvent sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, en train de se divertir. Après avoir bu une nourriture spirituelle, un breuvage spirituel, ils tombent dans la distraction. Voilà pourquoi l'heure est arrivée, mon frère, nous devons faire des études approfondies de la parole de Dieu. Parce que Zorobabel, quand ils sont revenus après la déportation, il n'avait pas seulement la truelle, mais il avait l'épée et la truelle. Frère Branham a dit que pour reconstruire le tabernacle, le temple, Zorobabel avait combiné l'épée et la truelle. Ainsi, l'épée, c'est la parole qui traite l'âme. Mais la truelle, voyez-vous que ce sont des choses qui sont en rapport avec la terre, qui traitent le quotidien, qui parlent de l'argent. Quoique c'est bien, nous avons besoin d'argent, parce que sans argent, l'évangile sera altéré. Sans argent, ça sera difficile que nous puissions élargir notre champ d'action. Mais c'est pas la seule préoccupation que nous avions. Nous avons besoin d'avoir la truelle et aussi l'épée. Alors, donc il nous faut rentrer profondément dans l'étude de la parole, parce que Frère Branham a dit, vous devez creuser afin d'éviter la tribulation. Et avec vous et moi, autour de cette parole de la prophétie, nous allons creuser si profondément. Donc, comme je vous ai dit que les pharisiens connaissaient tout, sauf le discernement. Ils ne savaient pas discerner. Voyez-vous qu'ils avaient l'écriture. Ils pouvaient interpréter, ils pouvaient commenter les paroles que Dieu avait transmis à Moïse il y a de cela 1400 ans. Ils avaient cette capacité-là de commenter cela. Mais le discernement ne t'amène pas simplement
à avoir là un aperçu sur la parole écrite, mais le discernement te donne la capacité au temps présent de reconnaître que Dieu est en train de parler. Ils sont venus, ils voulaient voir quelque chose de spectaculaire, mais le Seigneur les a dit, ça se passe pas comme ça. Veux voir, prédire le temps qu'il fera demain, alors vous êtes incapable de discerner Dieu qui est en train de vous visiter, les signes que Dieu est en train de manifester devant vos yeux. Raison pour laquelle nous nous sommes posé la question, est-ce l'assombrissement, la coupure d'électricité de la Maison Blanche, cette maison qui est une maison symbolique, qui est même le centre, qui constitue de nos jours le symbole même de la civilisation actuelle. Parce que la civilisation est la lumière dans une période déterminée, dans une saison donnée, c'est la civilisation qui apporte la connaissance ou la lumière. Il est midi 45. Mais dans la mesure où cette maison qui est censée illuminer le symbole de la lumière, le symbole de la de l'orientation, le symbole même du leadership des nations, tombe dans les ténèbres, est-ce que c'est un fait hasard ou bien signe prophétique? Que le nom du Seigneur soit béni pour cela. Voilà pourquoi nous ne soyons pas comme des pharisiens qui sont restés. Non, nous on n'a pas besoin de savoir. Moïse avait déjà dit. Donc Frère Branham a tout dit pour nous. Ben nous n'avons pas besoin de faire des recherches. Nous n'avons pas besoin de nous aventurer sur des pistes glissantes. Mais Dieu ne s'est pas arrêté avec le départ de Frère Branham. La terre ne s'est pas arrêtée avec le départ de William Aaron Branham, s'il vous plaît. Frère Branham a fait cette prière dans la prédication El Shaddai. Il prie pour que Dieu puisse nous secouer et que nos yeux s'ouvrent afin que nous puissions transcender, traverser la chair. Il dit que la chair que Dieu utilisa dans Genèse 18 a fini par être détruite. Et cette chair qu'il utilise, c'est-à-dire la chair William Aaron Branham, Frère Branham a dit que cette chair n'est pas immortelle. Elle repartira aussi à la poussière de la terre, mais l'esprit continuera. Donc la terre ne s'est pas arrêtée après le départ de Frère Branham. Le monde continue. Et aussi longtemps que les hommes sont sur la terre, les roues de la prophétie continuent. Frère Branham lui dit, ça tourne lentement, lentement, mais avec une sûreté parfaite. C'est la raison pour laquelle nous sommes là avec la parole. Et il faut décrypter les énigmes. Il faut avoir le discernement de saisir en quel temps nous sommes, quel est le message que Dieu est en train de vouloir nous communiquer. Déjà, vous verrez que du temps de Frère Branham, la démarche de Martin Luther King était différent de la démarche de William Aaron Branham. Pour Frère Branham, Martin Luther King mélangeait, voilà, soit qu'il soit pasteur, soit qu'il soit un homme politique, mais il est allé dans sa direction, vous voyez. Mais alors que il organise la marche, là, le 28 août 1963, et curieusement, c'est la même année où les sceaux sont ouverts. Donc, de l'autre côté, il y a le prophète majeur qui est en train de proclamer un message de libération pour les âmes. Mais de l'autre côté, il y a des faits politiques qui sont en train de se manifester de l'autre côté. C'est pas un fait hasard que ce soit la même année. Parce que c'est lors de ce discours où Martin Luther commence à énoncer son rêve, commence à publier ce qu'il voit. Et je crois qu'il avait vu. Il dit, j'ai un rêve, j'ai fait un rêve. Mais au milieu de ce rêve, il lance une prophétie où il commence à dire que dans son rêve, j'aimerais lire, il dit que dans son rêve, il veut que ses quatre petits enfants puissent vivre un jour dans une nation
où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, ni sur la, mais sur la valeur de leur caractère. On remarquait que c'est en 1963 qu'il annonce ces choses. Et le rêve de Martin Luther King eut un retentissement ou un accomplissement littéral avec la venue de Barack Obama au pouvoir. Donc, ce qui revient à dire, il avait vu quelque chose dans une dimension surnaturelle, parce qu'il parle de ses quatre petits-fils. Et 45 ans plus tard, au moment où Barack Obama devient président des États-Unis en 2008, et voilà, il rentre, lui, sa femme et ses deux enfants exactement tel que l'annonçait le pasteur révolutionnaire Martin Luther King. Je crois qu'il avait prophétisé. Et je vois devant moi les légalistes qui vont me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu commences à délirer depuis quand Martin Luther, dont tu veux faire de lui prophète? Frère Branham, dans l'exposé de cet état de l'Église, n'exclut pas que des gens vont prophétiser. Frère Branham dit que les gens ont ce tas ici, ils vont prophétiser. William Branham n'est pas le seul prophète dans ce tas de l'Église. Frère Branham dit que les gens vont prophétiser et leurs prophéties seront justes. Mais conformément à la parole de la promesse, il n'y a qu'un seul messager prophète à qui la parole vient dans ce tas ici. C'est le Élie qui est promis dans Malachie 4. C'est ce septième ange d'Apocalypse 17. C'est cet homme qui vient avec le ministère du Fils de l'homme. Donc, ça n'exclut pas que de l'autre côté, en la même année, où Frère Branham ouvre les seaux pour publier une rédemption, et que de l'autre côté, il y a Martin Luther qui est en train de lutter pour une cause juste. Parce que Frère Branham a dit qu'au ciel, là-bas, il y a des gens qui feront partie, qui rentreront au ciel, pas parce qu'ils étaient même chrétiens, mais parce qu'ils étaient des humanistes. Donc, dans le ciel, il y a des gens que tu vas retrouver là-bas qui sont des médecins qui ont accompli correctement et convenablement leur travail. Il y a des humanistes qui vont se retrouver de l'autre côté au ciel. Il y a même des gens qui ont été gentils avec les saints, l'épouse de Christ qui se retrouvent de l'autre côté. J'aimerais te donner un secret. Tu es la voie même de l'expiation. Tu peux transférer une âme au ciel. Parce que la Bible dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc vous êtes la clé même de l'expiation. Et comme j'insiste toujours, dans la loi de la purification de la lèpre, l'expiation ne vient pas par la colombe mâle, mais au contraire par la colombe femelle, c'est-à-dire l'épouse. Donc Dieu te donne, par ton entremise, des gens même de ta famille, parce que tu les as aimés, qui rentreront au ciel. Le prophète parle de Rahab, sa foi a protégé, a donné le salut, a protégé la famille qui n'était pas là lorsque Rahab avait reçu les messagers envoyés par Josué. La parole de Dieu est tellement merveilleuse lorsque vous la saisissez et lorsque vous la comprenez. Donc, nous sommes en 1963. C'est un bouleversement. Ce sont des années symboliques. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce qui manquait aux pharisiens, c'est la capacité de discerner les signes du temps. Et vous verrez que bientôt, dans peu de temps, votre esprit va s'ouvrir et vous ne serez plus les mêmes personnes. Donc, nous sommes en 1963, alors le 28 août 1963, et c'est là où Martin Luther a proclamé ce rêve, a organisé la plus grande manifestation qui n'ait jamais été organisée dans ce pays et même dans l'humanité. Des gens qui combattent pour des causes justes, sans des armes, mais par la non-violence. Et publie quelque chose de très sacré. Et plus tard, le 3 avril 1968, avant qu'il soit assassiné, parce qu'il est assassiné le 4 avril 1968, il dit que j'ai été au sommet de la montagne. Voyez-vous, il voyait des choses.
et il annonce. Alors, revenons en 1963, il déclare que ce n'est pas la fin, 1963, ce n'était que le commencement. Et pourquoi parle-t-il d'un commencement alors que nous sommes dans une année qui, pour vous, les croyants du message, pour nous, les croyants du message, qui est une année très symbolique, 1963. Voilà pourquoi j'aimerais que tu prennes ton stylo, que tu prennes ton calepin, que tu puisses noter parce que nous allons faire cette étude profonde avec vous et moi pour qu'il n'y ait pas des ombres d'ombre. Donc, nous sommes en 1963. Frère Branham prêche les sceaux. Il ouvre le septième sceau. Et de l'autre côté, ici, voilà Martin Luther qui déclare que 1963, ce n'est pas la fin, mais ce n'est qu'un commencement. Or, cette année 1963, quand il commence son discours, il se place, il se réfère à l'action qui s'est faite, une action humanitaire qui s'est faite il y a de cela 100 ans. Parce qu'effectivement, c'est le 1er janvier 1863 que le président Abraham Lincoln a ordonné ou a déclaré l'abolition ou l'émancipation et l'abolition de la traite des Noirs ou l'esclavage des Noirs à travers toute l'étendue des États-Unis. Voyez-vous que ces grands leaders, ces hommes qui viennent sur la terre, ils comprennent même des lois parce que les autorités sont établies par Dieu. Donc, je reprécise, nous sommes là en 1863, Abraham Lincoln proclame la libération des Noirs. Il n'y a plus la notion d'esclavagisme aux États-Unis. Et 100 ans plus tard, en 1963, Frère Branham, il vient aussi pour publier une indépendance de l'épouse. Et de l'autre côté, il y a Martin Luther, la même année, qui se tient sur le même chemin pour faire, comme on dit, une rétrospection pour montrer que depuis que la déclaration de l'émancipation a été publiée, l'annulation, l'abolition de l'esclavage a été décrétée, le noir, l'afro-américain ne bénéficiait pas toujours de ses droits en tant qu'américain. Voilà ce qu'était la cause de la protestation. Donc, c'est 100 ans après. Alors, nous sommes ici dans les chiffres. Suivez-moi attentivement. 1863, libération des Noirs. 100 ans plus tard, 1963, William Branham ouvre les sceaux, proclamant ainsi l'indépendance de l'épouse, la rédemption de l'épouse. Et de l'autre côté, il y a un rêve, il y a une prophétie, il y a une énergie que Martin Luther King libère, montrant que il a vu et il voit dans son rêve, vivant dans un pays où ses petits-fils, ses quatre, et non même quatre, qui vivent et qui sont jugés, pas parce qu'ils sont noirs, mais on les juge par leurs compétences, par les valeurs, parce qu'ils ont un caractère. Et ceci s'est accompli effectivement en 2008 avec l'élection au pouvoir de Barack Obama. D'aucuns vont me dire, mais comment se fait-il qu'il y a ici Frère Branham qui est prophète et de l'autre côté aussi il y a Luther King qui est pasteur qui prophétise. Mais Dieu n'est pas un moule. Dieu, vous ne pouvez pas le bloquer comme vous le pensez. Et je vous ramène dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 35, le verset 20 jusqu'au verset 25. C'est une histoire très, très particulière parce que nous avons une mauvaise image des nations qui environnaient même les Hébreux. On a toujours pensé que Israël était le seul pays ou la seule nation, le seul peuple qui était monothéiste et qu'ailleurs, tout le monde était plongé dans l'idolâtrie. Mais cette écriture que nous allons lire dans la Bible, je crois que ça sera très percutant, ça va certainement te perturber, mais si tu es un fils de Dieu, il faut ponctuer cela par un amen et étudier profondément. Alors,
2 Chroniques 35, le verset 20 à 25. Après tout cela, donc, tout cela ici, il s'agit de Josias. Josias est un roi qui est né sous une promesse qui, d'ailleurs, qui avait été prophétisée. Donc, c'est le second roi qui a marché de tout son cœur, qui s'est confié au Seigneur après David. Et il était aimé du peuple. C'est celui, ce Josias, qui a réfectionné le temple qui était fermé, qui a ramené la Pâque et qui a organisé la seconde Pâque, la Pâque du deuxième mois, le mois de Ziv. Josias, un grand réformateur en Israël, où les prophètes comme les Jérémie, les Amos, les chantres étaient derrière Josias. Avant qu'il ne soit né, des années avant, son nom avait déjà été prononcé par un prophète que cet enfant-là viendra, parce que c'est lui qui vient détruire le Neustan, même le serpent des reins que les Hébreux commençaient à adorer. Il est 13h. Mais regarde ici, après tout cela, après qu'il ait fait toutes ces choses, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchémis sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. » Donc Dieu dit à Pharaon, Nécho, d'aller vite à Carchémis parce que le destin ou le dessein futur des nations va se jouer sur la bataille de Carchémis, là, vers l'Euphrate. Dieu, le même Dieu qui est chez les Hébreux, ce même Dieu parle à Pharaon. Voyez-vous? Donc, je lis ces choses, c'est pour vous montrer que il faut que vous soyez fluides. Ne soyez pas des extrémistes. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas le bloquer. Parce que dans le Nouveau Testament, Paul parle. Quand il est chez les Crétois, il dit, Crétois, ventre paresseux. Il dit que l'un de vos prophètes l'a dit et ce témoignage est vrai. Donc la citation que Paul est en train de citer, il ne l'a pas lu dans les Saintes Écritures. C'est une citation d'un prophète crétois. Mais finalement, les prophètes sont aussi ailleurs. On ne trouve pas simplement des vrais prophètes. En Israël, ailleurs aussi, il y a des prophètes. Donc, Dieu dit à Nécho de se hâter parce que le dessein, le futur, l'orientation des nations se jouera à Carchémis. Il dit, ne t'oppose pas à Dieu. Voyez-vous comment il parle. Nécho est sérieux. Il dit, il a envoyé des messagers. Il dit, Dieu m'a dit de me hâter. Il dit, ne t'oppose pas à Dieu. Qui est avec moi? Voyez l'audace. Un pharaon qui dit à Josias, un roi qui est né sous des prophéties, qui a en lui, avec lui, des prophètes, des vrais, comme de Jérémie, l'Amos et les autres. Mais il dit, ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi. Si Dieu était avec Pharaon. Et si vous pensez que Dieu, c'est une propriété privée, s'il est avec toi, il n'est pas avec l'autre. Ça veut dire, si Dieu est avec Pharaon, c'est qu'il n'est pas avec Jésus. Il n'est pas comme ça. Soyez délivrés de vos pensées dénominationnelles. Vous ne pouvez pas condenser Dieu. Ce n'est pas possible. Donc ce Dieu-là, qui a dit à Nécho, va à Carchémis, était avec Pharaon. Nécho, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui. Il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Or, nous sommes d'accord que la bouche de Dieu, c'est un prophète.
Donc, ce que Nécho disait, il avertissait Josias que Dieu est avec moi. Il m'a ordonné d'aller à Carchemish parce que le futur des nations se joue à Carchemish. Et si tu t'opposes à moi, Josias, Dieu va te détruire. Et Josias n'a pas voulu écouter, prêter attention à ce que le roi Nécho disait parce qu'il était pharaon. Et la Bible est précise ici. Sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Oh, la bouche de Dieu, c'est un prophète. Il y a deux choses. Soit il y avait des prophètes en Égypte, ou soit Pharaon lui-même était un prophète, donc c'est probable. Parce qu'il était sûr de ce qu'il disait. Donc, un Pharaon qui vient avec le « ainsi dit le Seigneur », qui défie un enfant, si aujourd'hui on dit que c'est un prédicateur né dans le message, consacré. Voyez-vous que les histoires de monopole là, Dieu n'est pas dans vos histoires là. Donc, je vais vous démontrer que Josias est né, c'est-à-dire on a prononcé son nom avant même qu'il soit né, avec tous les privilèges. Donc, son destin était déjà tout tracé. Mais il vient croiser un roi qui dit que Dieu est avec moi. Il m'a dit d'aller me positionner à temps à Carchemish, vers l'Euphrate. Et Josias boude. Non, Dieu ne peut pas faire ça et tout ça. J'ai Jérémie, j'ai Amos, j'ai les chantres, j'ai les sacrificateurs, j'ai l'Urim et Thummim. Dieu a surpassé, a contourné l'Urim et Thummim. Il est dans la parole que Pharaon Nécho prononce, qui est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Pharaon lui-même, quand il parlait, il devenait la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'il était prophète. Puisque les rois étaient des prophètes. David était un prophète. Il a prophétisé. Quand Saoul est rentré dans l'assemblée des prophètes, Saoul a prophétisé. Voilà pourquoi il dit que Saoul est parmi les prophètes. Salomon est prophète. Voyez-vous? Et quand vous citez les rois prophètes comme Melchisédek, il y a aussi Pharaon Nécho qui est roi et qui prophétise. Et ce qu'il prononce, c'est le « ainsi dit le Seigneur » qui sort de la bouche de Dieu. C'est qu'il dit « il y a un roi égyptien ». Non, c'est le poison qu'on a mis dans votre esprit et il faut chasser ça. Ne monopolisez pas Dieu, c'est dangereux. Et Josias est mort à cause de ça. Un roi qui a les faveurs du Très-Haut. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'emmenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans les sépulcres de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leur complainte jusqu'à ce jour et ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Donc, vous voyez comment les faveurs que jouissait Josias. Mais Dieu l'a contourné, il a parlé par Pharaon. Je vais lire la prophétie qui annonce Josias, parce que surtout que les croyants du message n'aiment pas lire la Bible. Dans 1 Roi chapitre 13, le verset 1 à 3, la Bible dit, il s'agit ici de ce jeune prophète qui avait été envoyé pour aller maudire l'autel de Jéroboam. Et je reviendrai aussi pour parler de ce jeune prophète parce que plus tard, il sera corrompu par le vieux prophète. Toi, le jeune, qui pense que pour t'élever, pour que tu puisses avoir de l'influence, pour que ton ministère puisse se stabiliser, faut toujours faire la courbette derrière parfois des gens que Dieu a déjà rejetés. Ça te concerne. Je reviendrai là-dessus dans un cours de coaching parce que l'heure est arrivée
pour vous montrer que on n'a pas simplement besoin de la truelle, parce que dans toute la direction dans laquelle on nous a mis, on incitait sur la truelle, c'est-à-dire le bien matériel, l'argent. J'ai dit que c'est bien, mais la reconstruction du temple par la nouvelle génération, c'est l'épée et la truelle, la parole. L'heure est arrivée, nous devons revenir à la communion autour de la parole, à l'étude approfondie de la parole, parce que tout a été créé par la parole. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fondra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Et quand vous lisez, ces choses-là sont accomplies. Donc, ce jeune prophète qui était revêtu de l'Esprit du Seigneur, qui quitte Juda pour venir maudire l'autel de Jéroboam, annonce la venue d'un roi qui sortira de la maison de Juda appelé Josias. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, Josias est né des décennies plus tard. Voyez? Donc, c'est un enfant dont le destin est déjà connu par Dieu, tracé. Les prophètes l'ont annoncé. Mais voilà, ton dessein vient s'arrêter avec une confrontation avec un pharaon qui se dit aussi que Dieu l'a parlé. Bon, même si c'est moi, Josias, j'aurai des problèmes parce que Dieu parle par le roi d'Israël, par des prophètes d'Israël. Et voilà, pharaon qui dit que Dieu m'a dit d'aller à Carthémis. Et si tu t'opposes à moi, tu t'opposes à Dieu, Dieu va te détruire. Ce n'est pas Pharaon qui va te détruire, c'est Dieu. Il dit non, c'est pas possible. Et il a ignoré les paroles qui sortaient de la bouche de Pharaon, qui étaient les paroles sortant de la bouche de Dieu. Et plus tard, dans Jérémie chapitre 46, le verset 2, Jérémie prophétisera sur cette bataille de Carthémis, parce qu'après, des années plus tard, c'est là où le destin de l'Égypte finira par commencer à connaître un virement qui plus tard nous amènera dans cette servitude que nous sommes en train de traiter ici. Donc, j'ai lu ceci pour te montrer que Dieu peut parler ailleurs. Et que Martin Luther, qui lors de ce discours du 28 août 1963, lorsqu'il annonce qu'il a fait un rêve, il nomme ses quatre petits-fils, cette prophétie s'est littéralement accomplie avec l'arrivée au pouvoir de Barack Obama. Oh, ces choses arrivent, frère Panam, ne plus. Comment on va faire? D'aucuns disent non, c'est pas utile pour vous. Mais qu'est-ce qui est utile pour vous? C'est là le problème de Matthieu 16, que les pharisiens, ils savaient lire la loi de Moïse. Parce que Dieu avait parlé il y a 14 siècles par Moïse. Mais ils n'avaient pas la capacité de lire Dieu qui parle au temps présent. C'est ce que Jésus-Christ appelle, vous ne savez pas discerner les signes des temps. Pardon, dans chaque temps, Dieu parle à travers des signes. Parce que les prophètes de la Bible qui parlaient là, mon frère, ce n'étaient pas des hommes extraordinaires. C'était pas facile d'être en accord, en harmonie avec un prophète, parce qu'en général, c'était des hommes hors la loi. Tu pouvais être du côté de Jérémie. Mais Jérémie était hors la loi. Il était contre son peuple. Il n'était pas patriotique dans ses prophéties. Si tu étais au temps de Jérémie, tu aurais de lacune de croire aux prophéties de Jérémie parce que ça ne parlait pas
pour le bienfait d'Israël. Jérémie maudit même le temple, dit que le temple sera brûlé, tout ça, bon, tout sauf ça pour Israël. Parce que constitue la base, l'alliance avec Israël, c'est que Dieu a donné la loi à Moïse. Il a donné comme symbole le temple où la gloire de la Shekinah est descendue. Lors de la dédicace, et voilà un prophète qui dit, ce temple-là, il ne restera pierre sur pierre que ce ne soit renversé. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, c'est pas facile d'être en accord avec un prophète quand il est vivant. C'est difficile. C'est si facile de le croire lorsqu'il y a des décennies. Même que Frère Branham ici, dans lequel nous semblons protégés, on croit parce qu'il n'est pas là. S'il était là, vous verrez que il y aurait beaucoup de raisonnements. Voilà que les Américains ne pouvaient pas accepter Frère Branham parce qu'il n'a jamais prophétisé pour le bienfait des États-Unis. Il préfère élever la Russie que les États-Unis. Frère Branham aime plus les Noirs que les Américains. Je vais lire ces citations-ci. Donc si tu es Américain, tu aurais des problèmes d'accepter Frère Branham. Il faut que tu sois prédestiné. Donc c'est pour montrer que les prophètes, quand ils parlent, c'est des hommes ordinaires. C'est des hommes ordinaires. Il faut avoir la capacité de saisir quand Dieu parle. Et cette capacité, c'est l'esprit de la prophétie qui t'amène à discerner les signes du temps. Or, l'arrivée au pouvoir d'un homme de couleur, mon frère Manon n'a pas dit ça. Tu vas fouiller dans la citation, il n'y en a pas. Frère Branham n'a pas vu une prophétie qu'un homme de couleur devait venir sur le pouvoir. Puisque la démarche de Frère Branham était une démarche spirituelle. Donc, quand Frère Branham a une mission pour l'Afrique, ce n'est pas une mission politique. C'est une mission, c'est un réveil prophétique, c'est un réveil spirituel. Et Dieu qui est souverain, mais il donne cette responsabilité à Martin Luther King. C'est Martin Luther King qui a vu la venue de Barack Obama au pouvoir. C'est pas Frère Branham. Donc, ce n'est pas parce que Frère Branham n'a pas dit ça que ça n'a pas sa valeur. Voyez-vous? Sinon que, nulle part ni il est écrit que tu vas accoucher par césarienne. Mais ça existe. Qui a donné cette intelligence? Alors, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible que les enfants qui sont nés par césarienne, donc c'est la semence du serpent, ou ils n'ont pas au ciel et tout ça, parce que ces enfants-là sont censés mourir. Parce que je pense au temps de Jacob. Si Jacob on l'a ramené, il voit l'avancée technique, il dit, ah, ma belle Rachel n'allait pas mourir. Parce que certains, il y aura la césarienne et tout ça, une prise en charge et tout ça. Et Rachel allait vivre. Voyez-vous? Je crois que vous commencez à comprendre. Ce que Barack Obama accomplit, c'est une prophétie. Parmi ces prophéties, ça se trouve dans les proverbes. Salomon avait vu ça. Je lis le proverbe 11, le verset 29. La Bible dit, celui qui trouble sa maison héritera du vent. Toi qui troubles ta maison. C'est-à-dire, on te dit des choses qui te concernent, tu es même l'opposé. J'ai vu des gens quand on a publié la photo de l'ange Michael qui est noir et le diable est blanc. Mais c'est des problèmes. Voyez-vous? Ce n'est même pas les blancs qui réagissent, hein, c'est les noirs. Mais quand l'ange Michael est peint en blanc et que le diable est comme lui, non, ça c'est bon. Vous voyez le problème? Pourquoi? Il trouble sa propre maison. Mais tu vas hériter quoi? C'est le vent. Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Donc quand tu es dépourvu de discernement, dépourvu d'intelligence, tu es l'esclave des intelligents. Et s'il faut faire le choix entre l'insensé et l'homme sage, ben moi j'ai choisi d'être un homme sage, parce que ceux-là qui dominent, ceux-là qui réussissent, ce sont les hommes sages. Ah, je dis des bonnes choses sur toi, sois un homme sage. Ne sois pas insensé, sinon que tu seras l'esclave des hommes sages.
Voilà que l'Afrique a été privée de sa sagesse. Voilà pourquoi on est tombé dans l'esclavagisme. Proverbe 19, le verset 10. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Combien moins un esclave de dominer sur les princes. Voyez-vous, donc c'est très inquiétant si le monde va à l'envers et que les esclaves commencent à dominer sur les princes. Je vous dis que cette écriture a eu son accomplissement en 2008. Et la troisième prophétie de Salomon, Proverbe 30, le verset 21 jusqu'au verset 22. Trois choses font trembler la terre. Et il en est quatre qu'elle ne peut pas supporter. Un esclave qui vient à régner. Donc, la prophétie de Martin Luther King est en conformité avec la parole de Dieu, parce que ce qui fait trembler, c'est quand un esclave commence à régner. Voilà pourquoi je m'en tiens là, que l'Afrique doit régner, que tu ne dois pas rester tel que tu es, tu dois changer ta mentalité, tu dois retrouver ta place, tu dois te considérer pas tel que les autres veulent que tu te considères, mais tu dois te considérer tel que Dieu veut que tu sois. Parce que dans la pensée de Dieu, tu n'es pas inférieur. Dans la pensée de Dieu, tu n'es pas un esclave. Voilà pourquoi on t'attire vers le haut pour que tu sortes de cet état. Je crois que quand nous parlerons d'un ministère, vous allez comprendre que la majorité des ministères sont dans l'esclavagisme. Il faut, comme dit Frère Branham, il faut qu'il y ait des craquements, des prisons. Il faut qu'on sorte de cette prison-là. Voyez-vous? Et donc, nous sommes en 1963 où il est dit que là, c'est pas la fin, ce n'était qu'un début. Mais pourquoi 1963 est un début? Parce que nous avons dit 1863 jusqu'en 1963 égale à 100. Or, Ésaïe 65, le verset 20, déclare « Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Ben, ce n'est pas possible qu'après 100 ans, que les choses demeurent ainsi. Vous voyez comment je suis en train de montrer les énergies qui étaient en train d'être libérées pendant cette période de l'année 63. Parce que Abraham a reçu Isaac à 100 ans. Et il y a un rajeunissement qui se fait à 100 ans. Mais aussi, la pleine connaissance, la pleine maturation vient à l'âge de 100 ans. Dans la prédication, encore une fois Seigneur, et encore une fois seulement Seigneur, le paragraphe 22 jusqu'au paragraphe 23, Frère Branham me dit que si le Seigneur, avant la fondation du monde, me dit que je te donne 100 ans, choisis en quelle période ou section de la période que tu vas me servir. Frère Branham dit que, à là, les premiers 25 ans, j'aimerais être un footballeur. Les deuxièmes 25 ans, vers 50 ans, j'aimerais être un menuisier, tout ça, tout ça. Je dis, mais les troisièmes et les quatrièmes, 75 ans, 100 ans, j'aimerais servir le Seigneur. Il dit, pour quelle raison? Il dit, de 75 à 100 ans, car j'aurais accumulé beaucoup de connaissances. J'aurai plus de connaissances là-dessus, voyez, tant que je me tiendrai sur mes deux pieds, que je marcherai. Qu'est-ce que mon âge change? Donc, il montre que la dernière section de 75 à 100 ans amène la maturation, l'accumulation des connaissances, l'accumulation des sagesses.
Donc, Frère Manan fait vibrer l'ouverture des sceaux en 1963 parce que c'est aussi dans une sphère plus élevée, c'est la saison de l'accumulation des connaissances. C'est la saison du rajeunissement. Donc, quand vous parlez de la puissance de la transformation, là, vous n'entrez pas profondément. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour étudier si profondément la parole de Dieu. Alors, voyez que le même esprit qui agit, et vous verrez que cette période, il y a trop d'ajustements. Voilà pourquoi, pour les gens qui font la Kabbalah et tout, vous verrez que c'est comme si Kennedy était une réincarnation à la lettre d'Abraham Lincoln, avec des exactitudes si similaires. Voyez que ça, je n'ai pas besoin de faire un enseignement là-dessus. Il y a des vidéos disponibles sur le net. Vous pouvez trouver et vérifier. Moi, j'aimerais que ce que je dis, que cela soit confronté. De toutes les façons, c'est difficile de venir me combattre parce que chacune des mots que je dis est vraie. Chacune des thèses que je soulève, vous savez que les gens du message sont les plus fougueux, les plus rebelles. S'ils trouvaient des vides là, ils allaient déjà faire des émissions. Mais ils vont vérifier là pour venir attaquer, mais ils tombent dans du pire. Ils disent, ah, on peut pas aller, sinon, voyez-vous. Donc, ces choses-là sont là, dans le net. Et vous pouvez vérifier. Voyez, donc, 100 ans après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, nous amène directement en 1963. Et en 1963, il y a l'ouverture de la parole. Et de l'autre côté, il y a une prophétie qui montrait que l'homme de couleur prendra une position très élevée. J'avance. Mais avant d'en tomber sur les événements qui secouent l'Amérique aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans le passé pour vous donner un briefing des enseignements que j'avais développés auparavant. Quand je suis venu ici, je crois dans les années 2015, j'avais démarré avec l'inspiration sur la corne du bélier et j'avais retracé le mouvement des réveils. Et Dieu soit loué parce que la finalité, ça s'est soldé avec le choc des générations. Ça, c'est pour ceux-là qui suivent cet humble ministère. Et j'avais montré une base prophétique selon laquelle nous avons pris les talons de mesure comme étant 1906. Et en 1906, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit à Azusa Street. Et donc, le leader était un homme noir. Bien que lorsqu'on retrace l'histoire des réveils, on ne veut pas en parler parce qu'effectivement, la grande difficulté, ce qui secoue les hommes, ce qui secoue la terre, c'est lorsque l'esclave arrive à régner. Donc, le père du mouvement charismatique, le père du réveil des églises, la configuration actuelle de l'église, c'est un noir qui s'appelle William Seymour. En 1906, c'est lui qui amène le mouvement pentecôtiste avec la restauration des dents et du parler en langue. Un homme de couleur. Nous sommes en 1906. 50 ans plus tard, en 1956, il y a eu une grande manifestation à Angeles Temples où Frère Branham a été invité pour la commémoration de la fusion du Saint-Esprit à Azusa Street parce qu'un grand temple a été construit. Et là, Frère Branham nous a prêché le jubilé d'Azusa. Et c'est un message prophétique que vous pouvez consulter parce que nous avons aujourd'hui les brochures, nous avions des bandes. Tu peux lire comment Frère Branham est en train de lancer un appel pour ramener l'Église qui s'est éloignée des principes du premier jour à revenir. Parce que le jubilé, Frère Branham dit que c'est un retour à l'origine. C'est un retour à notre héritage. Donc, de 1906 à 1956, il y a précisément un jubilé que j'appelle le premier jubilé. Et Frère Branham est là pour représenter ce jubilé-là. Enfin, de 1956 à 1963, il y a 7 ans, suivez-moi attentivement. Et Frère Branham dit que lorsque vous suivez Dieu dans ces chiffres, vous n'allez pas vous tromper. Dans 1956, qui était le jubilé, plus 7 ans, nous tombons 1963. Donc, 1963, 63,
qui est une septième année, qui est un sabbat, qui est une année sabbatique. L'année sabbatique est aussi appelée une année de relâche en l'honneur de l'Éternel, selon le livre, je crois, de Nombre, Deutéronome plutôt, le chapitre, pour être précis, c'est le chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 2, où la Bible dit que tous les 7 ans, tu feras relâche. Et à chaque 7 ans, pendant la relâche, en l'honneur de l'Éternel, il a fallu que les dettes soient expiées et même les prisonniers soient relâchés. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, 1963 tombe effectivement dans cette configuration de l'année de relâche en l'honneur à l'Éternel des armées. Raison pour laquelle je précise ici que de 1906 à 1956, il y a 50 ans, plus 7 ans de tombe en 1963, il y a l'année de relâche en l'honneur de l'Éternel. Alors, donc, de 1906 jusqu'en 1963, il y a 57 ans. Et lorsque nous arrivons à 57 ans, c'est que nous avons 8 sabbats. Et le chiffre 8 dans la prophétie est un chiffre éternel. Donc, 1963 nous introduit dans le rang parfait, dans le cercle parfait, dans l'éternité que Branham appelle le lendemain du septième sabbat. Donc, ces choses-là, voilà pourquoi c'est ça mon problème avec les prédicateurs. Il ne s'agit pas simplement de faire des déclarations. Il faut une étude approfondie, ce qu'on appelle en théologie faire l'exégèse. Aller dans les moindres détails. Donc, quand j'étudie ce soir, vous voyez, c'est le huitième sabbat. Depuis le jubilé d'Azusa. Et comme j'ai dit que Dieu n'est pas allé avec Frère Branham, tout comme la terre ne s'est pas arrêtée quand on a mis Frère Branham sur terre. Aussi longtemps que les hommes sont sur terre, Dieu continuera à parler, les roues de la prophétie continueront à circuler, rouler lentement, mais avec sûreté. Il faudrait que Matthieu 16 s'accomplisse. Il faut qu'il y ait des gens qui ont la capacité de discerner les signes des temps. Parce que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, on ne peut pas enseigner ce message ici avec l'onction du veau. Ça ne marche pas. Parce que sous la dispensation du veau, même les docteurs, les scribes étaient gouvernés par cet esprit-là. Parce que lors de l'âge du veau, qui était l'âge de la persécution, les enseignements allaient sous la direction du sacrifice. Que les prédicateurs avaient tendance de vous montrer que la terre, le monde, voyez-vous que l'environnement, ça ne comptait pas pour eux. Donc, parce que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc, on préparait les gens. Voilà pourquoi Frère Branham explique. Et les livres d'histoire expliquent, sont précis là-dessus, que les gens allaient au bûcher avec toute la joie possible. Mais qu'est-ce qui faisait ça? C'est les prédicateurs de ce temps-là qui étaient sous l'influence de l'onction du veau. Lorsque nous sommes rentrés dans l'âge où l'ère de la réforme, c'était l'homme, la réflexion, l'intelligence. Donc, ils n'avaient pas peur de braver un prêtre. Ils n'avaient pas peur de dénoncer le pape. Et vous voyez que l'Église catholique avait perdu son autorité sur les gens parce que c'est l'onction que Dieu a répandu sur la terre. C'était l'onction de l'homme, l'intelligence. Et nous sommes sous l'onction de l'aigle. Donc, les prédicateurs de cet Éphésien-ci, de ce positionnement-ci, de ce sacerdoce-ci, doivent enseigner sous la vibration de l'aigle parce que le message que nous recevons, c'est le message du quatrième être vivant lorsque l'aigle vole. Donc, si tu es docteur, en dehors de la prédominance de l'étendard de l'homme, mais derrière, il y a l'onction de l'aigle qui t'accompagne. Et ces docteurs-là du sacerdoce que William Branham introduit, de l'Éphésien, que William Branham, le Jésus, introduit, sont appelés des scribes. Voilà qu'on a posé à Jésus
Mais pourquoi la question de savoir pourquoi les scribes nous disent que Élie viendra premièrement? Parce que les trois apôtres avaient vu la gloire du Messie. Ils ont dit, mais c'est pas possible que nous puissions reconnaître le Messie si il n'y a pas Élie, parce que les scribes avaient dit. Donc l'enseignement des scribes est faux. Jésus dit, n'a jamais régné l'enseignement, la démarche prophétique des scribes. Il est vrai que Élie viendra premièrement. Mais je vous dis, il rétablira toutes choses, mais je vous dis, il est déjà venu. Et les apôtres eux-mêmes ont compris, ils parlaient de Jean-Baptiste. Donc Esdras, avec son groupe, quand ils viennent, ils établissent des principes, des études prophétiques. Donc voilà pourquoi il faut redresser le ministère. Les docteurs sont des prophètes de l'écriture. Ils ont la capacité de décrypter Dieu parler dans une saison donnée par l'analyse prophétique, l'approche prophétique. Voilà pourquoi ils sont appelés des scribes. Ne soyons pas des docteurs dans l'âge du vous. Soyons des docteurs dans l'âge de l'aigle. Les scribes, voilà pourquoi ils sont là dans Matthieu 13, 52, jusqu'à 53. Et Dieu a promis qu'il va nous envoyer des scribes, des prophètes et aussi des hommes sages. Alors, donc, Dieu ne s'est pas arrêté avec Frobana, que la terre ne s'est pas arrêtée. Dieu est dans sa continuité. De 1963, parce que nous avons dit que 1963, selon Martin Luther King, n'était pas la fin, ce n'était qu'un début. Donc, de 1963 jusqu'en 2013, il y a précisément 50 ans que j'appelle le second jubilé. Donc, de 1906 jusqu'en 1906 jusqu'en 2000. Donc, qu'est-ce que je dis? 1906 jusqu'en 1963, il y a 57 ans. Et ce qui accomplit le huitième sabbat. Et lorsque nous prenons 1963 jusqu'en 2013, il y a précisément 50 ans. Ça veut dire que de 1906 jusqu'en 1956, c'est le premier jubilé. Le deuxième jubilé s'accomplit de 1963 jusqu'en 2013. Et en 2013, les sacrificateurs était dans les mois, avec ce que j'ai appelé le sophar, la corne du bélier, pour préparer et annoncer le Yobel. Et vous avez des enseignements enregistrés là, dans la chaîne YouTube, une demi-heure de silence, où j'ai montré que il y a deux choses qui s'accomplissent lors d'un jubilé, soit vous montez, ou soit vous descendez. Et j'ai attiré l'attention des gens. Si on ne saisit pas ça, soit vous verrez que vous verrez des choses les plus catastrophiques. Ce n'est pas aujourd'hui que je dis ça. Ces choses-là ont été dites il y a des années auparavant. Et vous et moi, vous êtes là. Qu'est-ce qui t'a accompli? Est-ce que nous sommes montés ou nous sommes en train de descendre? Alors donc, en 2013, 2012 déjà, j'avais parlé que c'était la fin du calendrier de Maya, avec l'entrée du soleil dans le Verseau, l'alignement des cinq planètes, que les gens ont pensé que c'était la fin du monde et tout ça, des prédicateurs, comme vous savez. Bon, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, mais nous sommes ici pour étudier profondément la parole. Donc, la fin du calendrier Maya n'annonçait pas la fin du monde, mais c'était l'entrée dans un ère nouveau qui est appelé l'ère du Verseau. Et William Branham a annoncé ça dans la prédication, la communion ici, au paragraphe 74, jusqu'au paragraphe 75, et aussi dans le signe de la semence du temps de la fin, le paragraphe 130. Prochainement, j'ai fait une émission spécifique là-dessus, où il est en train de montrer que nous voyons que les astronautes prédisent que quelque chose au début, ou dans la première partie du mois, à partir de 2 ou 5, ou quelque chose de ce jour, de ce mois, les astronautes indiens, quand tu vois les astronautes indiens, sont des Mayas, prédisent que le monde va voler en éclats, et les journaux américains s'en moquent. Je ne crois pas que le monde va voler en éclats, mais j'affirme que c'est mal de s'en moquer. En effet, quelque chose est sur le point d'arriver un de ces jours. Quelque chose de semblable,
quand les cinq planètes, donc quelque chose de semblable, l'éclatement là, c'est la vision de la constellation qui s'accomplit en 1963, parce que cette prédiction, Frère Branham le fait en février 1962. Il dit quelque chose de semblable arrivera, c'est l'entrée du soleil dans le verse. Et je dis que je prédis que ceci est une application spirituelle. Je crois que c'est la venue ou l'issue de Dieu et que la grande révélation de la parole sera ouverte pendant ce temps-ci. Je n'ai pas assez de temps parce que ça avance pour lire toute la citation, mais j'ai donné les indices pour que vous partiez les contacter. Alors, donc, voyez-vous que nous sommes là dans le cheminement de la prophétie. Nous sommes en 1963, qui est 100 ans après l'abolition de l'esclavagisme. 1963, qui est aussi le 8e sabbat depuis la tombée du Saint-Esprit à Azusa Street. Et quand nous avons pris 1963, selon les déclarations ou la prophétie de Martin Luther King, 1963 ne devait pas être la fin, mais au contraire un commencement. Mais qu'est-ce qui commence? C'est là où les choses deviennent très intéressantes. Et lorsque nous prenons cette fourchette de 50 ans, de 1963 jusqu'en 2013, nous avons 50 ans. Donc, ça veut dire que 2013, c'est le second jubilé. Et lorsque nous avons le premier jubilé plus le deuxième jubilé, ça fait 100 ans. Or, Ésaïe nous a dit que le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Combien de prédicateurs n'ont pas écouté cela? Comment les gens n'ont pas évolué? Voilà pourquoi la malédiction règne. D'où ils sont tombés plus bas. Les choses les plus horribles sont en train de s'accomplir. Voilà pourquoi j'ai dit que 1 Corinthiens chapitre 10, 7 est en train de s'accomplir. Le peuple mangea, bu et sortit pour se divertir. Il mangeait quoi? Il buvait quoi? C'était la nourriture spirituelle qui était la manne. C'était l'eau du rocher qu'ils avaient bu. Mais comment ils sont allés pour se divertir? Parce qu'ils s'étaient rentrés dans la routine. Ils disaient les mêmes choses. Ils ne se comprenaient pas. Aujourd'hui, c'est la manne. Donc, tout est autour de la manne, autour de la manne, tout la manne. Et la finalité, c'est le divertissement. Et voilà là où nous nous trouvons. Il faut la capacité des gens, les gens qui ont la capacité de lire les signes du temps. Donc, nous sommes maintenant en 2013, le second jubilé. Et j'avais dit que soit on monte, ou soit on descend. Mais vous êtes avec moi, 2019, j'ai donné un message prophétique intitulé « L'absence des maîtres » où ça continuait de 2013 jusqu'en 2020. Il y a encore la deuxième année de relâche. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc 2013, tu ajoutes 7 ans, tu tombes en 2020. La seconde année de relâche. Donc, suivant la succession de notre méthodologie, allant de 1963 jusqu'en 2020, pendant ce que je vous parle là, nous sommes dans le 8e sabbat. 57. Or, les choses qui se passent sur la terre, c'est pas un fait au hasard qu'en cette année, 2019 terminant et 2020 commençant, le monde a été paralysé et c'est la pandémie qui a secoué le monde occidental. Et Dieu a dit, arrête-toi, ne touche pas l'Afrique. Mais pour quelle raison? C'est parce que effectivement 2019 marquait la 400 ans plus tard, parce que l'esclavage a commencé aux États-Unis. Le premier bateau a accosté en août 1689 en Virginie, transportant près de 20 esclaves venus d'Angola, c'est-à-dire le royaume Congo, 20, le chiffre 20. Et 2020, nous sommes à 401e année. Ça veut dire que nous repartons effectivement dans le livre d'Exode, avec l'alliance d'Abraham,
que la servitude devait durer 4 siècles ou 400 ans et Dieu descendre. Et cette année-ci, 2020, et effectivement suivant cette méthodologie que j'ai placée, c'est une année sabbatique où l'on publie l'année de relâche, qui est une forme réduite du jubilé parce que les dettes étaient pardonnées, les prisonniers étaient renvoyés, voyez-vous, et même certains esclaves recouvraient leur liberté. Et curieusement, c'est pendant cette période où une pandémie a secoué le monde occidental, a secoué les États-Unis, les gens qui ont créé les fusées pour explorer la Lune, les gens qui ont fait des recherches les plus avancées sur la Terre ont été jusqu'à ce jour incapables de trouver un antidote, de trouver un vaccin. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça pour paralyser toute une civilisation. Mais regardez, à cela vient se joindre aussi avec la mort de ce héros. Voyez-vous que ce George Floyd, comme Abel, 45. Comme Abel, son sang a crié fort à l'Éternel. Et voyez, la mort d'une seule personne a bouleversé le monde, a changé toute la donne sociale. Et voilà des soulèvements aucun homme sur la terre ne peut dire qu'il ne voit pas. Nous avons l'œil ouvert qu'à partir de maintenant, les fils d'esclaves ne se considéreront plus comme des esclaves, que les fils d'esclaves n'accepteront plus cette statue qu'on les a donnée, qui a perduré il y a de cela 4 siècles. Alors, pour attirer votre attention, parce que j'ai lu tout à l'heure qu'il y a des gens qui méprisent leur maison, qui détruisent leur maison, leur héritage. La finalité, ils seront secoués par des vents dans les proverbes. Voilà les manifestations sur l'esplanade de la Maison Blanche. Donc la Maison Blanche, c'est le symbole aujourd'hui de ce qu'on appelle la liberté. Bien que cela est fallacieux, le symbole de la civilisation actuelle, c'est cette maison appelée la Maison Blanche. C'est le symbole de la lumière parce que c'est la civilisation qui apporte la lumière. Mais voyez le sang d'un Kamite qui a crié comme le sang d'Abel, a poussé jusqu'à les manifestations, parce que les premières manifestations de cette envergure ont eu lieu en 1963 sous Martin Luther King. Et pour la deuxième fois, c'est à la mort de ce vaillant héros, de cet homme. Je ne sais pas comment il est constitué, mais je crois que son destin était ça, d'amener une révolution. Et pour la première fois, ou c'est pour la deuxième fois, de façon, c'est impensable qu'en plein 21e siècle, que les lumières de la Maison Blanche puissent s'éteindre. Fait au hasard ou fait prophétique. Parce que la Maison Blanche, toujours éclairée, est le symbole de la civilisation, est le symbole de la mission civilisatrice des USA et des pays occidentaux. Donc voir ces choses, c'est aussi un signe montrant que le leadership américain est arrivé à son compte. C'est un signe pour montrer que la lumière de l'Ouest s'est éteinte. C'est un signe qui vous montre que les dernières braises du réveil que William Branham a laissé aux États-Unis arrivent à leur fin. Voilà pourquoi je crois avec William Branham que l'Afrique est dans l'obligation d'envoyer des missionnaires aux États-Unis. Alors, écoutez ce que Frère Branham dit, parce que je veux vous bombarder avec des citations pour que vous puissiez comprendre que les choses que nous sommes en train de dire, ce n'est pas de la blague,
Mais c'est une réalité. Qu'est-ce qui est fait que l'Afrique soit épargnée? Ce n'est pas du tout vos prières. Ce n'est pas du tout vos jeûnes. Vous pensez que c'est un fait hasard après avoir fait vibrer des prédications, des projets comme l'étendard du midi dans la première édition. Et nous avions confessé cela, que cette maladie, on était comme des fous avec le docteur Aké, que cette maladie n'a pas d'effet sur nous. Ça ne va pas nous emporter parce que nous sommes une saison. Parce que comme Josué qui faisait le soumettait le sang sur les linteaux, Frère Madame dit qu'aujourd'hui le sang, c'est la promesse. Nous avons fait vibrer cette promesse et les gens nous ont trouvé les gens s'attendaient pour nous critiquer, mais nous avons la foi. Alors pendant ce temps que je parle, je bénis l'âme de mon ami le docteur Aké. Je bénis l'âme de mon vieux le docteur Goma Piero. Ouais, je crois que cette réunion, comme avait dit le prophète Essou, c'était la seule convention où il y avait le ainsi dit le Seigneur. Vous n'êtes pas protégé parce que vous avez prié. C'est parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Et que Dieu est avec l'Afrique aujourd'hui. Et les symboles que vous voyez aux États-Unis, que la lumière s'est éteinte dans la Maison Blanche, ce n'est pas des faits simplement naturels. Parce que les pharisiens modernes, ils savent tout, ils savent lire les brochures, mais ils sont pas capables de discerner les signes des temps lorsque Dieu parle. C'est la Frère Branham a dit, mais Dieu vous parle par la nature. Dieu vous parle à travers des événements. Dieu vous parle à travers des trompettes, des troubles politiques ou que ce soit des troubles religieux. Donc, je conclue par là. Haut et fort en tant qu'enseignant de la parole, en tant qu'étudiant des prophéties de la parole, que l'extinction de la lumière, les ténèbres sur la Maison Blanche, n'est pas simplement des ténèbres naturelles. C'est plus profond que cela, c'est spirituel. Je crois qu'il ne peut pas y avoir un réveil maintenant qui va sortir des États-Unis. Ce n'est pas possible. Parce que tous les signes que vous ne voulez pas vous conduisent à ça. Où étaient partis les générateurs de secours? Je lis Frère Branham. Je vous dis, remarquez ce qui va arriver dans la suite des temps. Voilà pourquoi vous avez une mission aujourd'hui civilisatrice. Parce que Frère Branham m'a dit, c'est vous qui devez aller aux États-Unis pour leur apporter la parole. C'est ça votre mission. C'est ça que William Branham a vu de vous. Je crois que Obama, pour devenir président, il a dû croire d'abord aux paroles ouintes que Martin Luther avait prononcées, et c'est ce qui l'a amené là, dans cette position. Quand il a vu l'environnement, il dit que Martin Luther a vu ses quatre petits enfants. Il dit, je suis là, Michel est là, mes deux filles sont là, je crois que c'est ça. Et ça s'est accompli. Et William Branham t'a vu aussi dans une mission sacrée. Celle de la, c'est une mission civilisatrice. Frère Branham a dit que l'Amérique, si on prenait l'Amérique par rapport aux rigueurs, aux coutumes africaines, toutes les femmes américaines là, mais ils seront tous lapidés parce que dans la culture africaine, à un âge donné, si une fille ne va pas au mariage, il y a un problème. Voilà pourquoi ce symbolisme qui vient effectivement 4 siècles après que le premier bateau a atterri en Virginie et que les pieds des Camites ont touché le sol américain en tant qu'esclaves. Je crois que le sang versé a crié plus fort. Et commence là le temps de la rédemption, le temps de jubilé. Je ne sais pas si quand je dis ces choses, il y a quand même des âmes sensibles qui comprennent. Voilà pourquoi ce matin, j'ai voulu prendre assez de temps pour parler de cette chose. Que tu étudies profondément
Et ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir. Alors, je vais te bombarder les citations. Faut pas que tu dises non, le docteur a fait des études. Non, il y a des citations qui montrent qu'il peut pas y avoir de réveil venant des États-Unis. Parce que je suis rentré dans la numérologie. Je vous ai montré que ça cadre à tous les niveaux. Je prends maintenant la parole écrite que vous comprenez mieux. Et c'est elle qui va vous condamner. Alors, on va appuyer play. Donc, pourquoi les gens sont-ils ballottés? Vous le voyez à l'intérieur, le paragraphe 6. Frère Branham me dit, j'appuie play. Prêché en telle année, en 1956. 1956, c'est le premier jubilé depuis Azusa Street. Je crois que nous sommes en train de vivre en un jour merveilleux et glorieux où l'occasion est donnée aux gens de voir les ombres de la venue du Fils de Dieu. Je crois de tout mon cœur que le monde va éclater maintenant dans un plus grand réveil ou bien qu'il va sombrer dans le chaos le plus noir qu'on ait jamais connu dans l'histoire. Donc quand ces promesses dans la, sous la corne du bélier de Yobel arrivent, il y a que deux choses, soit vous rentrez dans l'émancipation, ou soit vous sombrez. Et généralement, les gens sombrent. Et l'Amérique, son problème, c'est 1956. Il y avait un prophète sur la terre qui faisait l'appel avec le son. Parce qu'il y avait le sophar, la corne du bélier, pour les appeler à monter dans la rédemption. Ils ont refusé à cause des dogmes. Je mets une pause. Dans le jubilé d'Azusa, le paragraphe premier, je mets play. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est vraiment un privilège d'être ici, dans ce magnifique Angelus Temple, cet après-midi à la cérémonie pour commémorer cette effusion du Saint-Esprit qui avait eu lieu sur, ici sur la rue Azusa. Et nous croyons que de ce rassemblement sortira une réunion pentecôtiste à l'ancienne mode qui balayera le monde avant la venue de notre Seigneur Jésus. Frère Branham croit. Je mets encore pause. Question et réponse. Le 27 mai 1962, le soir, le paragraphe 152. J'appuie play. Frère Branham a dit, il y a environ 4 ans, l'Esprit du Seigneur était sur moi et j'avais dit, c'est bien cela, le réveil est terminé et l'Amérique a rejeté sa chance. C'est sur bande magnétique, il n'y en aura plus. Elle a rejeté sa dernière chance. C'est en 1962. Frère Branham dit que c'est 4 ans avant, c'est-à-dire en 1956. Frère Branham dit, quand il a fait la déclaration, soit on monte, soit on descend. Ils n'ont pas saisi cela. Ils ont manqué. Non. Il y a des gens qui parlent. Quand ils parlent, c'est Dieu. Comme Dieu parlait par Néco. Si vous manquez de les écouter, vous manquez Dieu. Et les gens sont en train de manquer Dieu. Il dit, j'aimerais que vous fassiez attention. Y a-t-il quelqu'un qui connaît quand cela a été enregistré sur bande? Nous avons cela. Léo et Jeanne ont cela. J'ai écouté cela ici, il n'y a pas longtemps. Bose a mentionné cela dans son journal. Et ainsi, observez ce qui arrive depuis lors. Voyez, le réveil est terminé. Les gens n'observent pas. Mais observez tout autour. Que font-ils? Qu'arrive aux gens? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que le réveil est devenu? Qu'est-il arrivé à Billy Graham, à Aura Robert et à tous les autres? Où est passé le réveil? Il est terminé. Il ne reste que la fumée. Les semences ont été plantées. Les réunions sont terminées. Les feux se sont éteints. Frère Branham, j'aime cette partie-ci. Dit que dans l'ancien temple de Vesta à Rome, lorsque le feu des autels s'éteignait, les marchés entraient chez eux. Frère Branham dit, eh bien, nous voyons que le réveil est terminé. Il ne s'agit pas de l'enthousiasme, non. Ce que les gens ont aujourd'hui, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme est différent du réveil. Alors, je prends encore El Shaddai.
prêchais toujours en 1959. Je suis en train de faire un chevauchement de citations qui a pris la même thèse, la même idée pendant la même période prophétique. Donc je suis en train de faire vibrer l'année 56, l'année 56 et 59 qui sont des années clés. Il dit au paragraphe 61, l'Amérique a péché quand elle a complètement rejeté son jour de grâce, qui est en 1956. Écrivez cela dans un livre. Vous n'aurez plus jamais un réveil universel en Amérique. Cela est passé depuis environ 3 ans. Quoique l'arithmétique est facile à faire. 59 moins 3. Ils ont manqué cela à Angelus Temple. Il n'y aura plus jamais de réveil. Quelques-uns d'entre vous, jeunes gens, notez ma parole à ce sujet. Il n'y aura jamais plus de réveil national. Plus jamais, comme celui des jours de Billy Sunday et de tout le reste. Vous aurez des petits succès qui vont éclater comme cela jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais ce ne sera plus jamais le réveil. Dieu, alors c'est là un certain temps, Dieu s'en est détourné et s'en est allé vers les nations étrangères. C'est de là que viendront les gens. Un signe venant du Seigneur suffira. Des milliers de païens vont s'empresser à l'autel. Ceci peut être fait maintes et maintes fois au milieu de cette bande d'Américains qui ont été enseignés comme ceci, comme cela, et qui sont complètement dans la confusion et qui ne s'arrêtent jamais de consulter leur Bible. Voilà le problème des Américains. Et qu'ils ont, malgré tout ça, ils sont en train d'appuyer play. Malgré tout ça, il y a des gens qui s'attendent qu'il y aura un grand réveil venant des États-Unis. Mais voyez-vous que même 4 siècles après, on vous montre que la lumière s'est éteinte. L'Amérique n'a plus sa mission civilisatrice, c'est fini. Parce que l'Amérique, la Maison Blanche, représente le dernier niveau de la responsabilité de la civilisation des tentes de Japhet. Et quand les lumières s'éteignent, ça veut dire, et par qui? Par un Kamit, par sa mort. Si vous montrez que le flambeau repart entre les mains de l'Africain. Parce que l'avenir de demain, le leadership de demain sera incarné par l'homme noir. Convaincu puis concerné. Le paragraphe 59. Frère Bana me dit, par conséquent, comme ces nations-ci rejettent la parole de Dieu, il y a des païens là-bas qui sont prêts à la recevoir. Et l'évangile quittera ce pays intellectuel pour aller vers les païens qui ne savent pas distinguer la main gauche à la main droite. Et c'est ce qui se passe maintenant même. C'est vrai, il est en train de quitter. Nous sommes en 1962. Ces païens-là, quand il parle de signes, Frère Manan parle de la vision qu'il avait faite sur les réunions qu'il devait tenir en Afrique du Sud et en Inde. Ne venez pas les nations, la France, ça n'a rien à voir parce que le soleil était déjà passé par là. Voilà pourquoi je reviendrai pour vous enseigner sur la différence entre la nation qui portera les fruits et à qui Dieu donne le royaume et les nations. Les nations, c'est les Japhétites. Les âges de l'Église, et donc le symbole, le dernier, c'est l'Amérique qui est l'Ouest. Et les événements que nous vivons ont montré que la lumière de l'Ouest s'est complètement éteinte. Voilà. Dans la loi et la grâce, le paragraphe 59, il n'y a pas d'excuse pour le peuple américain. Ces païens de l'Afrique du Sud et de l'Inde, au loin, là-bas, se leveront au jugement et condamneront cette génération parce que nous avons la lumière, l'évangile, les églises, les bénédictions et tout ici. Et ils refusent, et nous refusons de l'accepter. C'est bien là le problème, ami. Oh là là. Il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Mais je termine par cette citation-ci. Dans question et réponse, dans Dieu mal compris. Prêchant 1961, le paragraphe 15. Frère Bana me dit que bien des fois, les gens me disaient que certaines choses
Et il me demandait, et j'allais devant le Seigneur pour m'attendre ses visions. Et j'attendais jusqu'à ce qu'elles viennent. Mais j'ai constaté que cela a placé une grosse pierre d'achoppement devant les gens. À vrai dire, les Américains ne sont pas prêts pour un tel ministère, entre parenthèses, les églises. C'est vrai. C'est au-delà de leur époque, vous voyez. Et cela entraîne toutes sortes de choses. Certains vous traitent de démons, certains vous traitent de spirites, d'autres vous traitent de fils de Dieu et de tout le reste, vous voyez. Alors, j'ai simplement promis au Seigneur de laisser cela de côté et d'attendre pour utiliser ce ministère en Afrique ou lors d'entrevues personnelles lorsque je suis ici. Donc, voyez-vous que le don de Frère Branham a un seul donné. Chez lui, c'était pour les entrevues personnelles, c'est-à-dire le glanage. Mais la grande moisson de William Branham était réservée pour le pays de Mitzraïm, était réservée pour le pays de Cam, était réservée pour l'Afrique. Et nous sommes ici en tant que les bénéficiaires du ministère de Frère Branham, parce que pour les Américains, c'était au-delà de leur époque. Quand on dit au-delà de leur époque, c'est-à-dire il n'est pas pour eux. Ils ne peuvent pas supporter ça. Mais il y a un peuple prédestiné pour dire amen à cela. Voilà pourquoi nous n'avons pas de lacune de dire amen au message. Voilà pourquoi nous aimons tellement ce message, parce que ce message nous est destiné à nous. Voyez-vous que l'Amérique a manqué sa chance. L'Amérique a rejeté le jour de sa visitation. Et j'ai chevauché à travers des nombres pour vous prouver cela. Et 2020, nous sommes ici précisément après 400 ans et une année de plus depuis le débarquement du premier bateau en Virginie, transportant près de 20 esclaves. 2020, c'est aussi le 8e sabbat depuis l'ouverture des sceaux. 2020, c'est aussi cette année qui a fait clouer la science montrant que Dieu a le dernier mot. 2020, c'est aussi cette année qui a marqué définitivement la fin de la mission civilisatrice des pays occidentaux et des USA, en obscurçant totalement la Maison Blanche qui est le symbole de la civilisation actuelle. Mais de l'autre côté, voyez ce qui émerge, parce que le sang d'un Kamite a crié, comme autrefois le sang des Hébreux avait crié en Égypte. Et Dieu s'est souvenu de la promesse. Aujourd'hui, je crois, le sang du Kamite a crié plus fort, réunissant ainsi des milliers d'âmes qui ont subi des martyrs, qui ont subi des tortures. Et je crois que l'heure est arrivée où tu vas voir les prophéties que Salomon a annoncées, que le monde sera bougé lorsque les esclaves vont commencer à dominer. Je crois que nous sommes déjà rentrés dans cette période où l'esclave est en train de dominer. Quelqu'un me posera la question, mais Dr King, il y a déjà les églises aux États-Unis. Je ne crois pas que c'est l'accomplissement de la prophétie de Frère Branham. Parce que le fait d'avoir une église en Israël ne signifie pas que tu es le deux oies. Ces choses s'accomplissent selon les normes, selon une saison. Parce qu'il faut, il y a l'Africain, le missionnaire africain, il a une mission civilisatrice. C'est pas les colonies d'église où tu es retrouvé aux États-Unis par hasard et puis tu prêches à des ressortissants d'Afrique, des gens qui ont déjà cru. Non, c'est pas ce que Frère Branham me dit. Frère Branham me parle là, il faut que les Africains, les missionnaires africains doivent aller éduquer les Américains. C'est une mission civilisatrice. Voilà pourquoi je montre que la civilisation occidentale a montré sa défaillance et les signes sont là. Les lumières se sont éteintes de la Maison Blanche et l'obscurité totale. Alors, les Kamites, vous avez une mission, levez-vous, allez-y, civilisez le monde. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.